Bienvenue au dernier Express de la Place des producteurs de la saison 2014. Bonjour Sébastien. Bonjour Sarah. Sébastien, cette semaine, on est allé rencontrer des producteurs. La saison, c'est une bonne saison. Dame Nature a un peu joué des siennes, mais à part de ça, je peux dire qu'on s'en est relativement bien sorti. Ça a été quoi ton meilleur bonbon? Le meilleur sucré. La tomate n'a pas été vilaine non plus. Il y avait une bonne demande, mais le prix était très bas cette année. Est-ce qu'il t'en reste encore, la tomate? Oui, il en reste pour cette semaine et la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui te reste d'autre comme légumes? On est dans la courge encore. Le citrouille, bien sûr, jusqu'à l'Halloween. Qu'est-ce qu'il nous reste à part ça? Mais sucré, il en reste pour 2-3 semaines encore, à moins que le gel fasse de gros dommages. Puis chou Bruxelles aussi, c'est résistant au froid. Finissez quand? Je finis probablement en fin de semaine. Si il reste des choix, ça va aller un petit peu dans l'autre semaine, ça va être avec. Ça va être fini. Puis là, le marché, de quoi ça a l'air en ce moment? Je suis tranquille. Je suis vraiment tranquille. Je suis pas tranquille. La saison se termine quand même bien, quoi que on sent la clientèle se retire vite avec le gel actif qu'on a eu. Plusieurs clients ont quitté vite le marché. Les petits clients de fruits et légumes, dont eux sont producteurs. En perdant une bonne partie de leur récolte, on fermait leur kiosque. Donc, j'ai perdu cette récolte-là assez vite, là, cette année, plutôt que d'habitude. Et en avez-vous encore pour longtemps? Encore pour toute la semaine prochaine, des laitues, des fines herbes, tout ça encore pour la semaine prochaine. Puis là, ben, de ce temps-ci, ben, on y va disponible à toi. Oui. Puis possiblement l'autre semaine aussi, qu'on aura un peu de marchandises à vendre encore. En général, vous restez ici jusqu'à mi-octobre? En général, je me rends à l'Halloween, mi-novembre, c'est ça. Tout le temps, oui, à tous les ans, on espère toujours on va finir un petit peu avant, finir tout le temps, mais la saison, des fois, s'étire. En ayant moins de clientèle, il faut tirer un peu la saison. Okay. Ben, tant qu'on a la marchandise au champ, c'est toujours le fun de tout récupérer, ce qu'on a. L'investissement est là, tout est fait, puis il reste rien qu'à récolter. Merci beaucoup, Sébastien. C'est déjà notre dernière Express. Ben oui, déjà. Ça passe vite. On espère pouvoir vous revenir l'année prochaine. Bonne fin de saison. Bon hiver.